So today, do you think that it was like wise to come and do a protest at the same time as the parade? Yeah, because basically we're like one street away of the parade and we're just protesting for having the right to protest. And it's pretty much like in our rights that we have to protest. So I don't know why would it be like, oh, it's offended. It's in the same time that the St. Patrick. Come on. The St. Patrick is like same thing than us, but they're allowed to do it because they don't have like big anarchist punk inside their crowd. So they don't like crush them all with the matraque and pepper spray. Thank you, Gabe. Aucune infraction a été commise encore. Aucune infraction a été commise encore. Ok, parfait. C'est que je viens vous juste vous demander de faire attention de ne pas mettre les foulards dans le visage. Pourquoi? Il fait froid. Je suis d'accord avec vous. Il fait moins 20, Chuck. Vous en avez toutes des cache-cou, pas vous autres, mais l'anti-émeute, ils en ont toutes. Vous avez posé la même question tantôt. Pour toi, t'en as pas. Mais vous avez tous vos vélos. Ouais. Ils ont des masques jusqu'ici. Exactement. Il y a un policier en arrière, regardez. Ouais, regardez-le, lui, là-bas, il y a un cache-cou. Tu me demandes de répondre, je vais répondre. Parfait, réponds. Comme je vous dis, le moment où vous êtes dans une manifestation, vous pouvez vous cacher votre visage et considérer un masque. OK. La loi P6. V6, ben moi je suis. Ah non, c'est vrai, plus valide. Ben valide. Non, c'est vrai, elle va tomber encore. C'est le juge qui décide, c'est pas moi. Le juge va toutes les faire tomber. Mais moi je vous demande. Parce que je fais prête à moins 20. J'ai aucun problème, vous faites votre manifestation. On manifeste même pas. Ben vous manifestez. Non, non, moi je réponds, puis on manifeste. C'est normal qu'on soit encerclé en ce moment. Vous êtes pas encerclé. Ben non, regardez ça. Bonjour. Faites partie des anti-émeutes qui encerclaient les gens pacifiques. Tu es capable d'écrire? Oui. Capable de lire, capable d'écrire. Pourquoi? Tu veux que j'écrive ton matricule? Bien sûr. Ok, vas-y, c'est quoi ton matricule? Ah, c'est un peu. Faudrait que je baisse ta visière, mais je vais pas y toucher. Ça serait un assaut armé, tu sais, ta visière. Son matricule est caché? Oui, son matricule il est caché, mais son nom c'est Laurent P. Laurent P, lui. Ah, yes, 2210. Merci, Laurent P. Merci de me prendre en photo. Je vais prendre ton matricule à toi aussi. Merci. 3720, ton nom c'est? Le mieux. Le mieux, parfait. Est-ce qu'on peut procéder à une identification de tous les agents de la police ici présents? Monsieur Parent, elle, votre matricule 5095, parfait. Monsieur ici, on procède à une identification, on aurait besoin de votre matricule. 1386, votre nom c'est? Gervais M. Parfait, monsieur Gervais M. Donc, on aurait besoin de quelqu'un d'autre à identifier. Il y a un canon, faut que tu sais. Ah oui, le gars avec le gun. Juste par là. Le gars avec le gun, il est où? Là. Ah, le gars avec le gun. Salut, on aurait besoin de l'identification du gars avec le gun. Ça, c'est un gun. C'est un nasty gun, ça, pareil. Nasty gun, pareil. C'est vrai, j'ai une distance de bras, là. Ouais, parfait. Parfait, partout autour, une distance de bras, tout va bien. Ça va bien, hein? Je sais que même si t'as pas de sourire, ça va bien. T'es en overtime aujourd'hui, non? 62-88, t'as-tu déjà battu une femme, toi? Non? Parfait. C'est bien, ça. S'il vous plaît. OK. Je vais garder une distance. Ah, mais tout, parce que je vois pas ton visage dans ma caméra. Faudrait que tu gardes une distance. Un peu comme ça, ça serait bon. Ça serait parfait, ça. On avait dit 1386, qui veut pas que je le touche, mais que lui me touche. Gervais M, qui me colle vers un mur. Monsieur Deroy S. Oui, mais la distance de la caméra, ça a l'air c'est une bonne distance. Excuse, touche-moi pas, s'il te plaît. Fait qu'il y a une distance de bras qu'on m'a dit. Parfait, une distance de bras. Je pourrais voir ton matricule à toi? Mais pourquoi que vos casques cachent vos matricules? Parce que ma vie est à but. OK, c'est pour ça. C'est une bonne raison. Je viens d'identifier. Hey, t'as des tags partout. C'est fou, en 2012, vous aviez pas tout le temps vos tags, vous les cachiez pour faire des sacs criminels pis tout ça. Là. Check ça, t'as le groupe d'anti-meurtre qui me regarde, j'ai l'air d'un dangereux criminel. Aïe aïe, le dangereux criminel, il parle à la police! Watch out, c'est un anarchiste! Cache-cou, on m'a demandé d'enlever ça tantôt, on lève ça, man, fais frette. Jack, c'est même lui qui a dit ça. Excuse, pourrais-tu refaire ton message à propos comme du cache-cou? J'ai expliqué tout à l'heure. Ouais, l'autre, il m'a expliqué qu'il fallait du respect envers les polices, puis il m'a poussé. Oui, il fait pas partie d'une manifestation. Ok. Vous faites partie. Attends un peu, t'as-tu quoi de rouge dans ton dos? T'as-tu un carré rouge quelque part qui dit que tu sautes ton régime de retraite, je sais pas trop quoi, là? C'est ça, un carré rouge? Non, mais je suis sûr qu'il y a un carré rouge quelque part. Son char, son bouclier, n'importe où. Peut-être, mais pas là. Mais là, il manifeste pour quelque chose? Là, il manifeste pas. Pourquoi lui et toi, vous avez des tucs rouges? Ça, j'ai tout le temps voulu le savoir. La fleur de la tuque, ça fait quoi? C'est la représentation de mon syndicat. OK. Fait que ton syndicat, toi, es-tu comme en négociation? Là, présentement, oui. Puis le sien, non.
Lui, il est un peu tanné, mais il est cool parce qu'il a quand même un sourire. Lui, un sourire. Elle a pas d'émotion. Elle, elle serait bonne pour frapper du monde, je pense. Ah, elle est capable de sourire. Peut-être qu'un jour, les gars, vous allez comme être dotés d'un cerveau puis être capable de penser. Ça, ça va être bien ce jour-là. Quand vous allez penser par vous-même, ça va être malade. So, how do you think it went today? It went good because, like, I had the chance to, like, talk to my friend, police officer, and they didn't even arrest me. And usually they do, so it went good. Right on. Okay, thanks. No problem. Moi, savez-vous qu'est-ce qui me fait rire? C'est que les policiers qui nous font des fuck you pis tout, là, ils savent pas qu'on travaille un peu partout dans la société. Tu sais, y en a qui pourraient cracher dans leur café.